C'est mieux, c'est mieux. Oh vas-y, j'ai doc. On joue doc. Zéro version française du réseau neuronal. Oh, le M9, il est là, il est beau. Il a dépassé Gazou par contre. Hein. Il a dépassé Gazou sur la grille de départ, il y en a eu rien à foutre. Hein. Et ça, c'est exceptionnel, M9. Hein. En avoir rien à foutre à ce point, c'est quelque chose d'incroyable. L'oiseau qui dort. Eh oui. J'ai dumped. Bah alors M-Bub, vous connaissez pas docteur? Faut pas que je vois qu'il dise ça après il m'éclate la gueule. M-Bub il troll et après il m'éclate la gueule. On voit ce jeu. C'était pas un strike ça, mon ref. Oh, con kick! Ah, j'étais un petit peu en retard. Ok. Ok. Oh, on rigole, on rigole, on rigole. Là, le nerf. Ok. Vas-y, ce gamin. Il a la confiance, il a la confiance. Je vais en zone rouge quand même. Les gamins, en plus, il loupe le reverse en plus. Ça valait le coup. Mec, t'as pas la grappe de Mars de mêlée. Hein. Même mêlée dans Mars, il l'aurait pas eu. Quel gamin, quel gamin! Mais t'es un enfant! C'est ça ton problème, c'est que t'es un enfant! Est-ce que c'est mieux à la lumière, je pense? Je sais pas. Ça m'éclate les yeux là. Ah, ça m'a sombré encore un peu l'écran, mais tranquille. Ok, c'est cool de passer. Let's go, Gazou. Je suis trop sportive. Moi, je suis sportif. C'est vrai que je suis sportif. Non, c'est vrai, je suis sportif un peu. Ah, ça s'est vu. Tu l'as vu que j'ai pris des kilos. Je suis un grand sportif. Non, mais sportif, ça me va. Hein. Mais les cheveux, par contre. Mec. On revient à un Pyro format de 2016 là.
Oula. Gazou. Ok. Sportif dans ce contexte. C'est quoi le contexte? Du coup, je peux pas avoir compris. Hey, Gazou, il y a du petit Megaman. Il y a du petit Megaman, c'est lourd. Ok, ok. Et vous savez de l'époque où je jouais à fond à Smash? C'est fini. Hein. Et sur le prochain Smash, hein, mais. Non, il devient un casu. Hein. Ok. Tu perds pas la tête durant les jeux, tu réserves mon sport. Ah, que je suis... fair play, un peu. Sportmanship. C'est en anglais. Y'a pas vraiment de trad FR, je pense, sur ça. Mais ouais, je suis... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis sportif. Ouais, ça se dit, mais c'est vrai que ça se dit de moins en moins, je pense. Good sport in English? Ok. Je pense que ça se dit moins, mais ça se dit. Ah merde. Les gens sont tous toxiques. Mec, t'as traîné avec qui encore, toi? Pourquoi je serais toxique? On s'amuse, on joue. Voilà. Hop là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu! Il avait plus de saut! Il avait plus de vie! Il avait juste à s'accrocher! Il s'est dit non. Non, j'y vais. Je vais le chercher. Il est là. Ah, on dit plus fair play, je pense, en français. Oui, moi je m'amuse. Hein. Tu sais que les jeux type Rocket League maintenant, j'ai désactivé le chat. Comme ça, j'ai juste à m'amuser et être heureux. Et ça, c'est bon, tu vois. Quand tu peux être heureux sur un jeu vidéo, c'est le plus important. Soyez heureux quand vous jouez. Hein. Vraiment, partagez le bonheur. C'est peut-être pour ça que je fais plus de compète. Hein. Déjà parce que ça coûte la peau du cul. Bon, ça c'est normal. J'ai vu à nous, il y avait le débat du prix du tournoi en France là à plus de 100 balles ou je sais pas quoi. J'étais en mode what c'est cher, mais en même temps c'est logique. En même temps, vous avez plus. Et après, j'ai répondu, je me dis, mais quand j'y pense, le problème maintenant c'est qu'il y a plus de tournoi gratos. Et moi, quand je faisais du Smash 4, j'ai fait pendant 3 ans et demi, 4 ans, des tournois gratuits. Hein. Maintenant, à Marseille, la weekly, elle a 7 euros. Alors, c'est pas mal, hein, je comprends parfaitement pourquoi. Hein, t'as la salle à louer et tout. Donc, c'est logique. Et c'est vrai que ça me donne pas envie, quoi. Pourquoi je paierais 7 balles pour jouer un jeu... Merde. Pour jouer un jeu vidéo que j'ai acheté. Ouais, c'est normal que ça en coûte, hein, un prix, mais que c'est logique que ça coûte. Oui, il me saoule. Et là ? Ok. Ok, la racaille, elle dégage. Ok. Non. Allez, viens. Allez, il bouffe. Ah, Fabi. Ok. Il a esquivé. Il connaît les patterns, Nico, t'es les patterns.
Meurs. Allez hop. Hop là, le nerf. Allez, dans les dents. Alors. 58% de belle phase. T'es pas mon docteur Mario, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bon, il a le temps de chill? Oh, c'est le online aussi, c'est dégueulasse. Hein. Ok, ok, ok. Oh non mais là il sait que je vais dodge parce que si je dodge pas il vient. Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Alors. Ok. Oui, le feu. Oh, le call kick. Ah, gamin. Qui est gamin? On est là les amis. Je lui mets un coup de pied, mais dans le vent. Hein. Arrête de faire ça, t'es un gamin. Ok. Merci. Les gamins. Mêlée. Is that mêlée? Tu sais que j'ai GI au gauche? C'est ça qu'il faut faire? Peut-être gauche full, ça aurait été mieux. Je ne sais pas. Elle change d'ambiance, hein, là, après avec le Mega Man directement. J'espère que vous vous régalez en tout cas sur ces matchs. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Ça marche. Il va dash. Boum, dans moi. Crushing. Oh, dommage, j'ai pas eu. Je pars loin, ça dash là quand même. Il a eu peur. Tu peux dodge après ça, hein, si jamais. Oh, tu seras pas revenu là, mais tu veux revenir plus haut, tu peux up beep et dodge avec Mother Game. Ok. Je crois qu'en français on dit plutôt t'es quelqu'un de sport. Ouais, peut-être, je sais pas. Ou on dit de manière plus bourgeoise, tu as l'esprit Pierre de Coubertin.
Tout ça qu'on dit en français, tu vois. Tu as l'esprit fier de Coubertin. Ça, ça me semble pas mal. Est-ce que j'ai l'esprit Pierrot de Coubertin, peut-être? Ok. Elle envoie loin cette dash! Putain, mais j'ai moins 60 000 en shield ou quoi? Prends-le, hein, cadeau. Ach! Le combo que Bilule sur l'explosion? Il était bon. Attends. Attends. Est-ce le comeback de Gazou? Alors, ça devient chiant. Voilà. Bon, quand même. Quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux bien avoir l'esprit Pierrot de Coubertin. Mais je suis pas un ami. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et j'ai envie de dire un Mars. Et ça repart. J'ai Gazou bien remonté. C'est dur Smash. C'est très dur Smash. C'est trop dur Smash. On va voir, tu t'appelles M-Bub, tu bouges pas, t'es bien, tu es tranquille. T'es chill. Il a plus de pub dans ses Joy-Con. Je suis sûr qu'il a plus de pub dans ses Joy-Con. Il y a game septembre 2023. Ah ouais. Allez, après ce match ça se perd pas hein. Et ouais. Ok. Ouais. Et tu veux pas roll plutôt que contrer? Bah oui. J'ai fait un pivot grab. Vous devez fier de moi. Aïe. Aïe. Mais j'ai pas de contre!
On a les deux big kits sur ton deux frames d'ailleurs, tiens. Fun fact. Ça touche là. Ça touche là. J'ai touché les cheveux, monsieur. J'ai touché les cheveux, monsieur. Mais beau comeback. J'ai touché. Après, t'as joué en deux stocks, mon ref. Hein. Pas de ta faute. Hein. Pas de ta faute. Ah, j'ai une poussière dans l'œil. Parce que, en fait, je suis un gros débile, je mets ma main sur mon chausson. C'est déjà la pire idée du monde. Et après, je me la fous dans l'œil. Et bah, sachez que ce n'est pas une bonne idée. Voilà, si je peux vous donner un conseil de vie, je vais boire de l'eau. Bon. Ça va se voir, ça va se voir, ça va se voir. Ah ouais. Ah non, non. Non, 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 pas comme ça. Ah ouais. Ok, le up smash direct en... Ah, j'ai mal à la tête. Il vient de faire là ? Attends, il vient de me t-bag, ok. Attends, attends, attends. Il vient de me t-bag là. Là, il y a une question d'ego. Hein. Je joue plus le terrain, mon ref. Hein. Voilà. J'avais dit que je joue plus le terrain. Il m'a t-bag. Doudou. Ouais, j'ai pas, je l'ai pas essayé le bisque aussi. Qu'est-ce qu'il fait à T-Bag encore? A chaque fois que tu m'as T-Bag, tu m'as plus touché de la stock. Faire gaffe hein. Faut faire gaffe mon cher Gazou. Mais deux fois que tu m'as T-Bag, ta stock tu m'as plus touché. Chie quoi? T-Bag. Moi j'ai vu du T-Bag sur le terrain hein. On est d'accord, M-Bub. Imagine. Non, toi, tu me t-bag, je te banne, M-Bub. C'est différent.
pas les Smash. Smash T-Bag, c'est des jeux de FPS, je crois, de base. C'est quand tu t'accroupis en boucle pour te moquer d'un adversaire que tu viens de vaincre. Ce que tu as fait deux fois. J'avoue me faisait rire avant et maintenant j'avoue qu'aujourd'hui, à part en option pour forcer l'adversaire à faire une erreur, c'est un truc que je fais plus trop. À part avec des potes. Je suis trop bas, hein, d'accord. Merci. Ok, alors Mbub. Déjà, Mbub ça ban. Hop, attends. Voilà. Hop. Ce qui est drôle, c'est de villageois, je trouve. Hop là, Mbub il est ban. Et vous pouvez pas dire que j'ai pas prévenu, hein. Oh, c'est bon. J'essaie même pas de revenir. Alors il va qui va m'arrêter? En fait je pense savoir ce qui m'a lassé de Smash, c'est que c'est devenu trop pro aujourd'hui. Les joueurs sont trop forts. Bon ça c'est cool tu vois, mais. À regarder c'est cool, mais du coup à jouer j'avoue que. Je trouve le mid level tellement fort que c'est trop compliqué de s'intéresser à et de jouer en fun en tournoi. Même en petit tournoi. Après je pense qu'il y a des villes où c'est plus intéressant que d'autres. Ça dépend des coins je pense. Moi j'aime bien ouvrir une petite asso dans mon coin et jouer avec des gens qui chillent à Smash, tu vois. Bon, forcément un mec trop fort dedans, mais c'est pas grave, tu vois, on s'en fout. Une blague. Non mais juste... Ah, heureusement que t'es van, hein. Oh. J'en peux plus. On en peut plus, Mbub. Aïe 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 aïe. Pili pili pili. Oui, c'est vrai que le unban marche plus sur Twitch. Du coup, je peux même pas l'enlever le ban. Alors là on est sur du Richter mesdames et messieurs, ça ferait plaisir à MK. Hein. Du Richline comme on les a. À la base, je pense appeler la VOD Twitch l'esprit Pierre de Coubertin. Je pense que ça va être. Je le banne parce qu'il m'a T-bag. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, plus cliquer les gens. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez hein, pas. Bien sûr, je vous ai pas dit bonjour déjà. Vous allez bien. C'est la moitié de la VOD, oui. Et voilà, mettez un pouce bleu. Si vous aimez cette vidéo, c'est Smash Bros. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas à venir sur Twitch, bien sûr. On y joue de temps en temps. Hein. Régulièrement, même, j'ai envie de dire. Et vous avez vu là, c'est hashtag rare jump backer. Pour vous. Hein. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Objectif les 1000, hein. Objectif les 1000, mesdames et messieurs. Je vais augmenter le nombre de vues sur la vidéo pour aussi. Pourquoi pas prétendre avoir des pubs. Alors, je sais pas si c'est des pubs, je pense pas sur ma chaîne pour l'instant. Avoir des pubs pour. Pour l'argent. Vous mettrez adblock, hein, je m'en fous. Hein. Vous avez le droit. Hein. Ah, mettez adblock, j'ai envie de dire. Hein. Ah, si vous payez premium. Moi je paye premium donc je m'en fous. Attends, je gagne ou je perds? Bon, je gagne.
Je crois que c'était SD au début de la game. Ok. Non, c'est pas ce que je voulais, je l'avais read. Ça, j'avais pas read qu'il allait spawn sur le donner qui est reverse. C'est un accident de parcours ce que j'ai fait, qui a puni son accident de parcours. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mesdames et messieurs. Comment je unban quelqu'un? Je peux pas unban quelqu'un? C'est une dinguerie ça. Ah mais Mbub, t'as déjà pris 6 bans sur ma chaîne. La dernière fois c'était le 21 février 2023 par Rulciran. 20 secondes. Puis la fois d'avant c'est le 13 janvier 2021 par Etailis. 349 secondes. C'est une dinguerie hein. Etailis t'as ban 3 fois d'ailleurs. C'est une dinguerie ça. Ok. Une blague. Il dit nice strike, j'appuie après lui. Oui. Worse. Ok. Ah je l'ai pas su, je voulais merde. Bon c'est pas grave. D'accord, tu l'as buffer ce contre. Ok. Ok. Bon voilà, on l'a géré, hein. J'ai envie de dire. Un classique, un mercredi après-midi, quoi, j'ai envie de dire. On est vendredi. Ok. Oh. T'es nul. C'est ça que je voulais faire. Et je l'ai pas sur ce lagout là. Pourquoi? Ok, je le grabe. Je dois plus faire B, c'est vrai. Eh oui, mesdames et messieurs, eh oui. Mbub et bouche B. Mais on est là. Et c'est exceptionnel. Ça, Mbub m'a suivi. Pourquoi t'as le droit à l'alerte d'ailleurs ?
Pourquoi tu viens de niquer ta streak de follow sur ma chaîne? Tu peux pas follow en étant banni. Ah. Du coup, tu viens de niquer ta streak de follow pour ça. C'est normal que je puisse pas le faire, je pense que c'est bloqué. C'est marrant ça, non? Vous avez vu, il a fait besoin, il est mort. Oh mais la portée du coup aussi, Michel. Tu es mort? Non. Ah, je suis mort parce que j'ai loupé le side B. Ok. Ok. Qui était à 10 km, j'ai dû quand même l'esquiver. Oh bah c'est bien, accroche-toi, t'entends pas et ne saute pas quand je le demande. Hein. Il m'aurait vu là, j'étais mort. Faut arrêter de faire les donner, je pense. Petit conseil, petit tips. Arrêtez de donner. Ah, je suis mort. C'est faux. Pourquoi j'ai fait une Georgia dans le shield? Directement. Ah. Eh, le perso, il est craqué. Hein. Le perso, il est cracax, moi, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Avec Gazou, il a pas l'habitude peut-être. Mbem le choqué. Pas choqué, Mbub. Déjà, on t'a rendu la parole. Et en plus, je remarque que t'as gardé ton statut VIP malgré le ban. Et ça, c'est une dinguerie. Merci Twitch. Bravo. Le descripteur de Coubertin qui dégage ces deux personnes. Aïe aïe aïe. Il sort quand Rivals 2 d'ailleurs? Moi non, j'ai acheté une clé mais j'ai pas de nouvelles pour l'instant. Oh, je joue avec Boudan. Oh bon? Il est fort. Mon pari ne servait à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Chuuuuch! Pourquoi je m'excite comme ça? Est-ce qu'un jeu vidéo, Pierre? Dis donc, Pierre, retiens la réalité, t'es un adulte maintenant? T'as 31 ans? Combien? Ah! Comporte-toi en adulte, s'il te plaît. Utilise des mots adultes, fais des choses d'adulte. D'ailleurs, pourquoi tu travailles pas, Pierrot? Pourquoi t'es pas en train de réfléchir à tes plans de carrière? À faire des enfants? S'occuper de ta famille? Non, tu joues à tes jeux vidéo pour enfants là, avec Mario qui se trabasse avec des Pikachu. Ben forcément, hein. Forcément quand tu veux être plus sérieux. Au moins le capital de notre société va s'évoluer si tu fais ça. T'as pas honte?
Ok. Ouais. Et il est mort, lui. Et il y a Multiversus qui sort dans un mois aussi, là. On va voir, hein. Oh, ça tue. On y rejouera, je pense, à Multiversus. Le problème que j'avais, c'est qu'il fallait farmer les persos pour les jouer, quoi. Et c'est vrai que ça m'avait un peu dégoûté du jeu, c'est pas pouvoir switch facilement de jeu. Mais on y rejouera. J'espère que mon Bugs Bunny sera toujours aussi fun. Moi, je joue que Bugs Bunny, hein. Parce qu'il fait des vannes, c'est marrant. Lui qui fait des vannes, selon qui t'affronte. Eh, tu t'es mis devant, M-Bub. Hein. Tu t'es mis devant. T'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça. Tu t'es mis en plein devant. Eh, je suis fatigué. Vraiment, mais pourtant, j'ai fait une nuit complète, j'ai dormi. Tard, malgré le fait que je suis en télétravail. Je vais pas dire alors publiquement, parce que sinon, les méandres de la fonction publique pourraient me retomber dessus. Mais quand même, quand même. On joue qui? Oh putain. Oh là là! Oh là 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 là! Oh, on va se régaler! La titulas, bibouli pou pou pou! Ok. Ouais! Ok. Ok. Ah là là, comment on joue ce perso, le con? Ok. Il loue pas ton coup aussi. Ok. Ok. Ce qui est fou, c'est que je suis pas encore mort, quoi. Et un jour, faut le toucher peut-être, hein. Allez. Ah, c'est trop combo. Hein. C'est faux. Imaginez. C'est des combos tout le Link. Ah bon? Arrête. Ok, ok. Aïe. Aïe. C'est bon, on n'est pas mort. Ah ouais. Faut pas rester comme ça, faut pas rester comme ça. C'est le plus beau kill de mon histoire. Moi, je tiens à vous le dire, hein, c'est le plus beau kill de mon histoire. Et vous vous souvenez qu'on croyait que Donsrow et Beast a un combo? C'était incroyable. Hein. Zbouette poulet.
Docteur Mario. Là, c'est les excès d'un joueur exceptionnel. Et la counter pick Dr Mario contre Mario, je joue Kinkaroul quoi. Le génie. Ah bon? Ok. Ah, c'est chiant. J'ai touché! Je vais me faire bannir. Et d'ailleurs, je suis trop dégoûté. Hein. Le live de Batro hier là. J'ai mis du Mario Wonders. Je me suis fait DMCA par Nintendo. C'est quel taux de bâtard ça? Du coup, si je mets du Mario Wonders, je suis banni. Du coup, on joue au jeu, on fait comment? On a le droit seulement qu'on joue au jeu. Du coup, je sais plus quoi faire, ça me fout de la merde. Hein. Ah ouais. Il faut pas... Ah ouais. Oh le freeze! Le freeze qui vient pour moi! Le freeze exceptionnel qui vient détruire mon adversaire! Et oui! Merci à tous ceux qui viennent du port sur ma connexion! Bon. Alors, j'ai le zoom, on n'a même pas dépassé la caméra. Pourquoi je suis parti à gauche? Parce que du coup, j'ai mal dit aïe, mais bon, en tout cas, j'étais mort, mais... Oh, le freeze qui a empêché la tech, elle m'a régalé. J'adore. Et monsieur Dracoboy de 62, et oui, comment allez-vous? Qu'est-ce que ça raconte de beau? Eh, c'est la journée VIP aujourd'hui. Hein. C'est la journée VIP. Gazou doit se sentir seul sur son badge VIP. Hein. C'est une journée VIP. Hein. Ça va plein traire de Pokérog. Mec. C'est terrible que tu me dises ça. Nouveau mon VIP. Je te le retire. C'est terrible que tu me dises ça. Merde. C'est terrible que tu me dises ça. Hein. C'est c'est terrible. Comment on voit ma game? Comment on voit où j'en suis? Ben, c'est terrible. Hein. Charger la partie. Voilà. C'est terrible. Hein. Voilà, c'est, on est dans une situation assez chaotique. On est en train de... Enfin voilà, tu vois, rien de... Rien d'alarmant.
Rien d'alarmant, bien sûr. Vous inquiétez pas. Je comprends pas ta question, Mbub. Ah! Bah après je connais pas le reste du jeu, moi je suis que... Ouais tu peux mettre sur Discord hein. Tu peux mettre directement sur mon Discord, tout le monde le verra à peu près. Partagez votre Pokérock sur Discord hein. Jour de VIP. Au revoir. Pourquoi c'est jour de VIP? Au revoir. C'est quoi cette histoire? Il paraît qu'il y a des trucs après. Peut-être tu peux jouer en infini après la game de sang. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que là où j'en suis, si j'ai pas continué la game, c'est parce que là, en fait, je suis arrivé à un niveau de jeu où mes Pokémon détruisent le lobby. En fait, je trouve qu'on a trop d'XP. Et du coup, je me retrouve dans une situation où j'ai trop de. J'ai 10 niveaux d'avance sur les Pokémon, en fait. Et ils sont tous au niveau max de la wave. Donc, c'est un peu chiant. Alors, je suppose que t'arrives niveau 100, c'est là que ça commence, les emmerdes. Le niveau, je vais pas forcément endless. En fait, le truc, c'est que là, ça fait genre 30-40 niveaux où j'ai farmé. Où j'ai farmé en mode j'ai pas de challenge, quoi. Alors que le début du jeu, la game, elle est dure, je trouve, tu vois. Genre les 20-30 premières waves, c'est moins évident. Et je trouve qu'après, on s'est retrouvé dans une phase où c'était un peu plus évident. Allez, Gazou, faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Mais du coup en fait je trouve que je gagne tellement d'XP qu'au bout de deux combats tous mes Pokémon sont au niveau max. Et je comprends pas pourquoi en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Bon, depuis que j'ai débloqué Suicune c'est une dinguerie hein. En plus j'ai à la Kazam, je suis trop refait, c'est mon Pokémon. Ah il faut être bi après. J'ai pas le droit sur Postenios. Faut que t'ailles en média. Dans média t'as le droit. C'est seulement dans le média les images qui sont autorisées, pour ça. Je crois qu'il y a d'autres trucs où c'est autorisé, que c'est mal fait. Mais dans le média, tu peux, normalement. T'inquiète. C'est mon Discord, je l'ai fait à 1000 ans. Il n'y a plus rien qui va, il faudra le faire à zéro un jour, mais... Si je fais ça, je perds mes... Déjà que je crois que j'ai divisé par deux en nombre de populace. Draco, le petit fourmillon, qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Oui! Oula, t'as combien de thunes? 56 trillions! C'est quoi une dague, c'est une dinguerie ça? Vague 3200! Niveau 22 on a Corbos niveau 18 700. Mais t'as 2000 niveaux d'avance. Ça s'arrête pas après niveau 200. Le jeu te roule dessus quand même. Bon, moi, le jeu me roule pas dessus. Je sais que je suis avant la wave 100 peut-être, mais... Après je joue en fois en vitesse normale, faudrait que j'accélère le jeu en x5. J'ai un pote qui m'a dit c'est mieux en x5, c'est beaucoup mieux non. Bon enfin je l'ai. En fait je trouve que l'équilibrage du niveau est mal fait. Tu gagnes trop d'XP au bout d'un moment. Ouais, après quand t'es amateur, peut-être que c'est moins gênant, tu vois. Je suppose. C'est comme dans Balatro, je joue en x4, tu vois, parce que j'ai l'habitude du jeu.
Mais quel gamin! Je vous donne smash, je vous donne smash. Arrête, arrête. Le gros bidon. Pardon. Pardon, bien sûr. Mais après, vous l'avez dit, je suis sportif, hein. Non, mais une combien? Il a combien d'effets, le Pokémon en face? Deux, fuck. Viens là. Attends, mais c'est autour de qui, là? Attends, il est plus là, Gazou? Tu vas manger, ok? Eh ben, bon appétit, Gazou. Merci beaucoup. Un signe que Smash est un dead game, hein, hors compétition. C'est quand même le fait que sur les streams, on croise beaucoup moins de monde qu'avant. Ouais, c'est normal, le jeu, il a 1000 ans. Mais non. Faudra que je pense, quand le prochain Smash sortira, à faire un an de full live Smash, avant de revenir en mode random. Est-ce que tu me rappelles que je suis naze à Smash? Pourquoi tu dis ça? J'ai dit quoi? J'ai pas dit ça, j'ai dit juste on voit qu'il y a beaucoup moins de monde sur le jeu. Et que hormis la compétition, il y a plus grand monde qui joue au jeu. Ok, je dis ça gratos. Mais t'es pas nul hein? À mon expérience, c'est clair. À mon jeu que moi, c'est clair. Mais t'es pas nul. Mais j'ai tech, mais avant, j'ai tech. Et c'est qui le meilleur Dr. Mario selon vous entre entre Mumbub et moi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur YouTube. J'ai appuyé sur R, j'ai juré. Ah! Par loin! Et oublie qui je suis! Aïe! Bah oui, il savait parce qu'il a feinté la donnaire. Il a feinté son donnaire pour faire genre vas-y j'ai donnaire et il a reculé comme un porc. Parce qu'on fait tout ça depuis 15 ans sur le jeu vidéo. On le sait. Et ça marche, c'est ça le pire. Mais regardez-moi ce screen, attendez. Regardez où il en est. Dramatique quand même, hein. Vous avez vu ce niveau de jeu? Moi, je suis vague 90. Envie de canner, hein. La run a 6 jours. D'ailleurs, il n'a pas dormi depuis 6 jours, hein. Pas trop posé, bien sûr. Moi j'ai peur que ça me lasse un peu trop les conseils longs comme ça. Ça reste que des combats Pokémon quoi.
Quand les combats sont quand même plus jolis comme ça que dans le vrai jeu. Hein. Et ok, y'a pas de soucis. Tu fais 100 à 200 combats par jour, what the fuck. Mais un roguelike, ça c'est finir au bout d'un moment. Bon, ça va, on tente! Difficile d'un plus moche. Oh. On parlera quand on verra les graphismes du prochain Legends. Ouais, je sais, mais en général, les jeux, les modes endless, ils ont une jambe balatro, tu vois. Ça a une limite parce que bah forcément, au bout d'un moment, le jeu, il n'y a plus de possibilités. Enfin, c'est plus mathématique, la limite. Non, ça c'est mon temps exponentiel, le mode infini. Au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi. Mais je comprends pas pourquoi c'est un Florizarre que je vois alors que c'est pas un Florizarre que tu joues. C'est quand même chelou, ça. Mon jeu, il a pété un plomb. Après, c'est bien, hein, si tu peux jouer à l'infini, vraiment. Putain, t'as que 5 multi-exp, c'est le max. Tu poses qu'à 5, tu gagnes autant d'XP. Spoil une mécanique. Ok, pas de spoil, pas de spoil. Même si j'irai sûrement jamais aussi loin, tu vois, mais tranquille. Tzalapi, pouloupoupous, bé. Merde, je joue Dr. Mario. Et non, j'étais pas Dr. Mario. Ta 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 ta. Oh non. Ouais, c'est même 100% ça, ouais. C'est ce qui me semblait. Un moment où ça devient plus rentable de pas jouer ton Pokémon, ce serait incroyable. Je regardais pas, il s'est passé quoi? Bah au secours. Hein. À un moment, tu tapes quasi plus, tu stack les effets résiduels pour le faire descendre. Ah ouais? C'est chaud. Ça a l'air compliqué. Hein. Après, t'as 100 000 PV, c'est cool quoi. OS 100K ou 0, c'est pareil, pareil, tu m'étonnes. Et comment tu peux jouer du coup? C'est compliqué. Pas plus de speed. Non, t'as outspeed tout le monde, je suppose. Ah, c'est compliqué. Ou dans FF, hein. J'irai jamais aussi loin de ma vie. De toute façon, j'ai pas le niveau pour ça et... Bah, je pense que ça fait plus de combats sur ce jeu que j'en ai fait sur Pokémon dans ma vie. Woohoo!
Non, c'est pas faute d'être vieux, hein. J'ai oublié de jouer avant. Ah oui. Ah, ok. Mais ça pousse à counter, hein. Non. Oh oh. Eh vraiment jeu de con. Ah oui d'accord, tu prends n'importe quoi. Ah ça a l'air vraiment débile quoi. En fait ça devient débile mais juste à trouver comment l'avancer mais ça devient débile. Du coup j'ai peur que je m'ennuie tant que ça devienne pas débile en fait. Là, j'ai... En fait le jeu fait que t'as de l'avance au niveau... Au moins ça se fait que ton niveau max est largement plus haut que le niveau proposé. Au début du jeu c'est égalitaire. Et plus t'avances plus t'as d'avance sur le niveau max en fait. Du coup c'est quoi l'intérêt? En gros, tu peux XP plus que le cap, mais c'est bon, bypass le cap. Ah bon, tu peux bypass le cap avec ça? Y'a combien de gère à bonbon? 48. Mais bon, ça à la limite. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que les ennemis en face, ils aient pas ton niveau en fait. Même si ça change rien à ton niveau de jeu, mais au niveau où je suis, tu vois, je suis 80 et ils sont 70. Bah, c'est un peu chiant. Je trouve. Après, peut-être que je me prends. Sur le long terme, oui, après, on s'en fout. Hein. Mais c'est vrai que... Je trouve que sur le court terme, c'est un peu chiant. Oh, c'est F0 ! J'ai la ref. Bon joueur de F0 ici. Hein. Là, si vous aimez F0, on fait souvent du F0, les amis. N'hésitez pas à venir jouer avec nous. F0 99. Et on organise des tournois aussi, hein. La prochaine édition sera au mois de mai, il n'y a pas encore de date définie mais ce sera sûrement mi-mai. Je pense le... après le week-end long on a des jours fériés là. Parce que avant ça va être compliqué, je vais aller voir la Zidane et tout. Je vois une main, c'était compliqué. C'est exponentiel la différence. Non mais c'est bien sûr, bien sûr. Et c'est dommage je trouve. Que ce soit pas équilibré justement. Juste au moins. Bah quand tu joues à mon niveau où je suis là, c'est chiant je trouve, tu vois. Il s'accroche hein. Il s'accroche à la vie hein. Il a vraiment pas rien coup, je le touchais pas. Tintintintin. Jeu de merde, jeu de merde, jeu de merde, jeu de merde, jeu de merde. Vous êtes pour ou contre son Ocean, les gars? Oui non mais bien sûr c'est normal ça. En fait c'est plus que je trouve ça dommage. Quand moi je suis à la Vega 90 tu vois, que je mette 10 niveaux aux IA et que ce soit trop facile, c'est un peu chiant je trouve. Et oui sur le long terme on s'en fout mais... Sur le court terme je trouve ça dommage. Pourquoi je suis débile? Je sais pas. Et des mécaniques pas idées. Ouais, je me doute que le jeu est pas fini. C'est pour ça que je pense que je vais faire une run. Là, je vais finir cette run et je sais pas si j'en ferai encore d'autres après. On verra. On verra, on verra. Rien n'est prévu.
Lali toutou. On verra quand il aura tout avancé. On voit que les trucs sont pas finis, genre surf où il n'y a pas d'animation, ça me fait rire. Voilà, simple exemple. Bon, on se fait encore quelques guerres, après je sais pas ce qu'on va faire. Pourquoi ça, Sea of Thieves 2024 édition? Elle a quoi différent à 2024 édition? Il est déjà 21h. Où est-ce que tu vas smash en ligne là? C'est pas casse du friendly. Ah, ça dépend pourquoi en fait. Mais oui, c'est mieux si tu connais Pokémon. Oui, il y a plein de mécaniques, je suis arrivé, je comprends pas, je m'en bats les couilles. Je vois ça. Et tant pis, sur le long terme, je crèverai à cause de ça, tu vois. Parce qu'il est pas casu friendly, mais il est pas non plus dur. On est fatigué, hein. Le mode NES, c'est compliqué. Bah ça, c'est comme dans tous les jeux. Quand je joue à Balatro, c'est pareil, tu vois, tu finis le mode classique, c'est normal. Ça, c'est pour le coup, c'est normal d'un roguelike, je pense. Le but d'un roguelike, c'est qu'en fait, l'endless, c'est pour voir où tu peux aller avec ta run. Si t'as fini la run, c'est que t'as gagné. Et l'endless, c'est voir jusqu'où tu peux aller. Normalement, c'est ça pour moi. Après, sur ce jeu-là, c'est différent parce que tu peux aller très loin, mais... Genre sur Balatro, ça monte de manière tellement exponentielle que si t'as pas certains setups, tu peux pas faire beaucoup de choses, quoi. Mais j'ai un stock de retard, là. Oui, de caler, hein. Bah c'est possible, oui, après c'est normal, toi tu es... C'est quand même ton truc Pokémon. Du coup tu dors encore, t'arrives encore à te laver, à manger, c'est... Quelque chose que tu envisages encore dans ta vie. Toujours 6h max par jour. Ça va. Ça va. Ouais, ça va. À part si tu travailles à côté, c'est chaud, je trouve, 6h quand même par jour, mais... Je pense qu'en vrai, jeu vidéo, c'est ce que je fais 6h par jour. Parce qu'en vrai, j'ai le stream de 3h. Et souvent, je joue bien 2h à côté. Tu fais, tu dors 8h, putain. Moi, je dors 4-5h. Après, je suis un malade, peut-être. Possible. Allez, petite der. Après, je sais pas, on va faire autre chose. On verra. C'est ça, ça bypass sonné. Moi, c'est ma passion, le streamer. J'aime tellement la passion que si vous aimez la passion, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne et me permettre de nourrir mes chats en même temps. Ma passion nourrirait mes animaux, rendez-vous compte. Et ça serait fou, ça. YouTube, pareil, hein, si vous voulez soutenir. Je vais même parler d'abonnement. Parlons juste de suivre. De follow. Tu peux follow Twitch. Tu peux t'abonner à YouTube aussi gratuitement. N'hésitez pas, hein. Important de soutenir. Oui. Ah, je suis mort. Moi, en fait, j'aimerais bien dormir plus, mais je dois travailler. C'est pour ça que je suis content d'avoir du télétravail. Je commence beaucoup plus tard. Faut pas le dire, hein. Dites-le pas devant tout le monde, hein. Dites-le pas publiquement. Ça m'arrive de dormir un peu plus que prévu. Hein. Et c'est un gamin, hein. Après, je dis ça, mais là, j'ai dormi cette nuit et pourtant, je suis fatigué. Pourquoi? Marrant, ça. Hein. Chiche.
Ok. Ok. Et touche-moi ! Allez hop là. Attends, la grosse claque. Ouh, tidilou. Tin, tatitou. Ok. Non, inverse-toi. Gentil. Ah bon? Vraiment, tu attends pour faire ça? Eh bah, c'est super. Eh bah, c'est super. J'espère que t'as aimé cette vidéo de YouTube. Des bisous.